quand tu étais sorti. Prouvez à M. Biya que Kanto c'est votre président. Prouvez à M. Biya qu'il est un bandit, il est un bandit, il est un assassin. M. Biya c'est le plus grand bandit du monde. Il est plus méchant que Adolf Hitler. Merde. Depuis que la plupart de vous sont nés, vous connaissez seulement Biya, 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 Biya. Monsieur Biya, c'est un démon. Il est plus mauvais que Adolf Hitler. Il est plus mauvais que Saddam Hussein. Il est plus mauvais que Gaddafi. C'est un démon personnifié. Ce n'est pas un être humain. Monsieur Biya, c'est le plus grand démon du monde entier. C'est le plus grand démon du monde entier. Ce n'est pas un être humain, c'est un Satan. Sortez dans les rues. Signez les signatures partout. Arrachez votre victoire. Monsieur Kamto Maurice, c'est votre président. Arrachez votre destin. Arrachez votre victoire par tous les moyens possibles. Arrachez-le. Personne ne va pas le faire pour vous. Votre destin est entre vos mains. Votre destin est entre vos mains. Personne ne va pas arracher vos destins pour vous. Nous, on a fait pour nous. On est en train de faire pour nous. Vous pouvez tirer des leçons à travers nous. Si vous laissez M. Biya au pouvoir, vous dites que ou c'est 2020, il y aura une autre élection. Franck Biya sera le prochain président. Après Franck Biya, Brenda Biya sera le prochain président. Après Brenda Biya, Junior Biya sera le prochain président. Après Junior Biya, l'enfant de Junior Biya sera le prochain président. Et vous êtes là, vous faites que babader. Non. Apprenez quand même l'exemple à nous. Apprenez. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que nous avons arraché nos destins dans notre main. Ce n'est plus dans les mains de M. Biya. Nous contrôlons nos territoires. Sortez dans les rues. Sortez dans les rues. Prouvez au monde entier que vous n'êtes pas les gens de guerre seulement, vous êtes des gens d'action. Prouvez à tout le monde que vous êtes capable à soutenir vos paroles. Ne soyez pas les lâches. En anglais, on dit que don't be a coward. Don't be a coward. If you allow Mr. Biya, you French Cameroonians, in that seat, Franck Biya will be the next president of your country. After Franck Biya, Brenda Biya will be the next president. After Brenda Biya, Junior Biya will be the next president. And after Junior Biya, the son of Junior Biya will be the next president of Cameroon. And you are there just talking. No. La Bible dit, seuls les violents vont arracher le destin par la force. The Bible says, only the violent shall take it by force. If you are waiting for the day Mr. Biya will give you justice and fairness, it will never happen. Si vous attendez le jour que M. Biya va vous rendre la justice, ça ne va jamais arriver. M. Biya, c'est un démon. Il est plus mauvais que Adolf Hitler. Il est plus mauvais que Saddam Hussein. Il est plus mauvais que Gaddafi. C'est un démon personnifié. Ce n'est pas un être humain. Personne ne va pas vous aider. C'est à vous de prouver à M. Biya que c'est nous qui avons voté. Nous connaissons celui qu'on a élu. Son nom, c'est Kamto Maurice, ce n'est pas M. Biya. D'ailleurs, même Biya Paul, ce n'est pas le nom de quelqu'un au Cameroun. Demandez à ce monsieur de vous montrer ses diplômes. Son nom, ce n'est pas Biya Paul. Son nom, ce n'est pas Paul Biya. Son nom, c'est Bi Mvondo. Bartholomew Mvondo, Biya Paul. Où il a gardé Bartholomew, où il a gardé Mvondo? Ce n'est pas, c'est un bandit.
C'est un fumeur de chambre. C'est un escroc. C'est un joueur. Et vous laissez un sapin comme lui, un sardine, un salopard, un imbécile, un maquereau comme lui, de blaguer avec le destin de tout un peuple. Non, non, non. Réveillez-vous quand même. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, j'espère que ce message vous est béni. J'espère que ce message vous est réveillé. J'ai déchiré mon passeport camerounais aujourd'hui. Je l'ai déchiré. C'est un pays le plus malheureux du monde. Ce n'est même pas un pays. C'est vous qui allez rendre cet endroit pays. C'est vous qui allez le rendre pays. Pour le moment, ce n'est pas un pays. C'est quoi ça? C'est une honte. C'est une grande honte. Un très grand honte. Pour être citoyen de ce genre de pays. Quand vous renvoyez, j'ai détruit mon passeport camerounais. J'ai bien de détruire mon passeport camerounais. Parce que je ne suis pas intéressé. Voilà ça. Devant vous tous. Je ne suis pas intéressé. Ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus jamais avoir un document qui porte le nom Cameroun sur ça. Sauf le Southern Cameroun, qui est en Amazonie. Maurice Kamto, votre président élu, a vaincu contre M. Paul Barthélemy Biya, Bill Vondo. Vous savez que Bill Vondo a volé vos voix.